là où il y avait une friche depuis une douzaine d'années, un terrain abandonné en plein cas de la Boca, sur 5,7 hectares, commencent les travaux pour la réalisation d'une opération assez exceptionnelle, portée par des investisseurs privés à 100%. Aujourd'hui, on est encore dans le cadre des opérations à la charge de l'EPF, donc avec des financements publics. Mais autrement, il y aura plus de 100 millions d'euros d'investissement pour des studios d'enregistrement, du matériel audiovisuel, des logements pour techniciens, de l'activité de restauration, etc. Bref, dans un chef architectural très esthétique, bref, véritablement un lieu d'activité très intense, connecté à tous les autres éléments de Cannes On Air, Cannes Connecté, qu'on a mis en place, Bastide Rouge avec l'université, l'hôtel d'entreprise, bientôt le musée du cinéma. C'est véritablement le renouveau de Cannes La Boca.